Il était présent tout ce week-end sur le salon Auto Moto Rétro du Mans. Il est originaire de Nogent-le-Rotrou et à 17 ans seulement, il organise déjà son premier événement. Il faut dire qu'il a de qui tenir puisque son père organise déjà le Rallye des Trous Duc, toujours dans le Perche. Et le sport automobile, il est tombé dedans étant tout petit puisqu'il se balade sur les circuits depuis l'âge de 6 mois. Alors nous sommes avec Kevin qui a mis sa petite moto à côté des pilotes, des motos du Paris-Dakar. Voilà, donc alors Kevin va nous parler un petit peu de ce qu'il fait, un petit peu de ce qu'il pilote comme moto. Voilà. Bon, alors Kevin. Bonjour. Là, tu es de Nogent-le-Rotrou, donc parle-moi un petit peu. De ta bécane, un petit peu ce que c'est comme moto. Depuis combien de temps est-ce que tu fais de la moto? Bien sûr. Donc ma moto c'est une YCF 125 semi-auto de 2014. Donc il y a quatre vitesses. C'est une semi-automatique hein. Ouais, une semi-auto où du coup bah, au départ on passe ses vitesses et après bah, plus besoin d'y toucher. Donc tu as commencé la moto quand à peu près? J'ai commencé la moto Il y a 3 ans. Donc ouais. J'ai commencé par une petite 88 en location chez Extreme Moto. Après, du coup, la deuxième session que j'ai fait en location, j'ai roulé en 325 semi-auto. Et après, bah, donc, toutes les autres sessions que j'ai fait en location, j'ai roulé tout le temps en 125. Puis bah, ça m'a bien plu, donc bah, j'ai voulu une petite moto. Voilà, donc tu vas rouler souvent à Saint-Germain-de-la-Coudre. Ouais, donc chez Extreme Moto, chez Julien. Oui, tout à fait. Voilà, donc que tu conseilles fortement d'aller oui. voir. Hein, ouais. Hein, pour les passionnés de pitbike. Hein. Oui. On peut noter aussi que toi, tu prépares un événement. Oui, tout à fait. Alors c'est quoi cet événement? Je prépare le premier Perche Bike Show, un événement de moto et de voiture à Nogent-le-Rotrou. Dans le quartier du Paty, chez Sowork. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver sur cet événement? On va y trouver de la moto de compétition, de la moto de route, de la voiture ancienne, de la supercar. D'ailleurs, à ce sujet, tu lances un petit appel auprès des écuries de la région pour venir exposer, sachant qu'il faut bien dire que les exposants, c'est gratuit. Tout à fait, c'est gratuit pour les exposants. Pour les personnes qui viennent exposer leur véhicule, pour ceux qui viennent pour la bourse, c'est 1,50€ le mètre, il me semble. Alors, parmi les animations prévues pour le Perche Bike Show, il y a quelques animations que tu as mis en place. Oui, j'ai mis des animations en place. Alors, quelles sont-elles? Boîte à burn, lancer de disque. De frein de moto. Il m'a semblé entendre parler qu'il y avait aussi une course de lenteur. Oui, tout à fait. Alors c'est quoi une course de lenteur hein? C'est d'aller le plus doucement possible avec la moto sans poser le pied. D'accord. Oui, parce qu'il n'y a pas de circuit, hein, pour bien dire. Hein. Oui, il n'y a pas de circuit. Voilà, donc on va trouver des petites animations. En faisant un peu de bruit quand même. C'est dur à faire bouger les gens un petit peu là? Oui, c'est très dur. Parce que bah, y a des gens qui ne répondent pas aux mails. Les entreprises aussi ne répondent pas aux mails. Quand on demande d'avoir des lots ou d'être sponsorisé. Ouais. Même les particuliers, voilà, on va pousser un petit peu notre gueule, savent un petit peu partager des événements qui se passent très très loin et qui n'iront pas, alors qu'ils sont incapables de partager des petits événements qui ont lieu dans leur région. Ah, on rappelle, c'est le premier Perche Bike Show, le 28 avril. Le dimanche 28 avril. Dimanche 28 avril, et c'est à Sowork, dans le quartier du Paty. Alors, pour tout contact, rendez-vous sur la page Facebook du premier Perche Bike Show. Merci. Voilà.